Alors, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien passé les vacances. Alors aujourd'hui, je pose une question. Je vais laisser un peu réfléchir. Pourquoi apprendre le français? Alors, puisque c'est la rentrée des classes, on pose souvent cette question dans la classe. Pourquoi apprendre le français? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Alors, regardez s'il vous plaît ici ces situations de communication. Alors, pourquoi apprendre le français? On apprend le français pour parler français avec un ami. Ou pour suivre des dessins animés à la télévision, par exemple. Pour utiliser un jeu, comme cette fille. Alors, il sait bien comment utiliser ce jeu, car il vient d'apprendre le français. Alors, en famille, devant la télévision, on comprend des émissions en français. Voilà. Pour lire une histoire en français. Alors, tout simplement, lorsque j'apprends le français, je comprends facilement les émissions en français. Et pour lire une histoire en français, c'est ça le plus important. Pour lire et comprendre une histoire en français. Pour parler à des amis. Pour écrire une lettre à un ami en France, et n'importe où, je serai capable d'écrire une lettre à un ami en France, et n'importe où. Voilà, parce que je viens d'apprendre le français à l'école. Et pour écouter aussi ces informations en français à la radio. Bien sûr. C'est ça le rôle d'apprendre le français, l'apprentissage de la langue. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur ou n'importe quelle plateforme. Alors, je viens de répondre à cette question, pourquoi apprendre le français? Pour parler français avec un ami, pour suivre des dessins animés tout simplement, pour utiliser un jeu, pour comprendre des émissions en français. Pour lire une histoire en français, pour écrire une lettre à un ami en France et pour écouter des informations en français, sans oublier bien sûr pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur ou des jeux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre pour cette année? On va maîtriser la langue française d'après ces vidéos de communication et aussi d'apprentissage. D'accord, les enfants? Allons-y!